Alors, bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, je vous retrouve là où on s'était laissé. Donc, on venait de récupérer le coq. Donc, notre prochaine destination, c'est aller récupérer la clé du coffre. Dans mes souvenirs, nous l'avons marqué ici. Voilà. Vu qu'on est là, on regarde vite fait avant de partir s'il y a quelque chose, bien évidemment. Bon, il y a toujours la fameuse Carlite. On en a acheté une l'épisode précédent et je trouve ça très cher quand même. Vu qu'ils en remettent, donc il doit en avoir plusieurs à avoir. Ici, des bombes et un sac, rien d'intéressant. Est-ce que nous avons remis notre objet? Oui, parce que tout en bas, ici, c'est la place de l'objet à échanger, dans mes souvenirs. Donc on est parti pour aller chercher la cinquième clé. Hein. On va se téléporter. Non. Et comme ça. Normalement, j'espère que le coq va nous suivre quand même. Alors. C'est peut-être pas intéressant de retourner. Oui. Si on retourne ici. On va revenir en arrière, je pense. C'est l'endroit qu'on doit aller. On va faire dans l'autre sens. Ah oui, est-ce qu'on va pouvoir... Je sais plus comment on fait pour sauter. Là, on ne peut pas rentrer avec. Ah, oh, c'est tout. De hauteur. Ah oui, ici. Parfait. Très pratique ce petit poulet. Enfin non, c'est un coq, je crois. Voilà. Non, je me suis bloquée. Ah non. C'est l'escalier. Mais non. Je
Comme ça, c'est rapide. Et on a la clé, vautour. Bon travail d'équipe. Reviens, s'il te plaît. Ah non, en fait c'est un passage fermé, d'accord. Bon bah voilà, on va aller voir explorer en hauteur. Je pense que c'est le convoyé derrière, donc je pourrais même pas l'avoir avec le coq. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça va pas grand chose. Hop, on repart.
fait bébé. Faut qu'on en trouve, hein. Bon, bah on n'a plus qu'à se re-téléporter. Au niveau de là. Donc vous avez vu les erreurs à pas faire. Hein. On recommence. Nous allons rendre le coq à son propriétaire. On va bien voir. Hein. Non. Fantastique. Ce coq vole vraiment. Tu vois que je ne mentais pas. Essaye par toi-même, brandis-le. Okay. Ah oui, donc non, c'est à nous, on ne donne rien. Ok. On va bien. On repart. Allez, procédez doucement en arrière. Non, je suis bête. On aurait pu se téléporter directement. S'enquiquiner et refaire le chemin. J'enlève. Retour. J'ai remis.
le boomerang. Voilà. Nous sommes partis. Pour, attention, tour du vautour. On n'a pas notre poule. Bon. On est parti pour ce donjon, voyons. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce donjon ? Tu m'excuseras. Là on peut. Donc, du coup nous arrivons ici. Ok. On a une clé, on va faire cette porte. C'était pour le fun, je voulais voir. Oh là là, ça va être vraiment. Un casse-tête, je le sens. Je suis pas sûre de pouvoir me faire dans cet épisode. Hein. Oh, la carte. Vous
Vous avez enfin trouvé la carte. Appuyez sur le moins pour consulter la carte. Alors, il y a un coffre qu'on n'a pas eu, mais ça, on ne pouvait pas l'avoir. Ici, il y a la boule. On voit pas du tout. Bon, mais du coup, là, on est bloqué. On est bloqué. La boule est revenue ici. Il y a un hibou ici. C'est étonnant quand même. On est bloqué de partout, quoi. Ça ramène ici. Ça bloque partout. Maintenant la flèche elle passe pas à travers. Ah non. Le grappin fonctionne pas non plus. Regarde. Ok, là ça fait vraiment noir, il n'y a pas de rien à voir en dessous. Et quand ça fait une brume, c'est un passage en dessous. Oh oui, ça va être compliqué là. Là-haut, il y a un coquillage. Donc on a été voir en haut, mais on se trouve... On se retrouve ici. Ah non, ça nous fait même pas passer un étage en dessous, ça nous ramène au même étage, mais... Oh, c'est compliqué. Vous avez obtenu un bec de pierre, maintenant il faut trouver une statue à hibou. Oui, je sais où aller. Hey!
jardin. Ici, ça peut nous amener où? Ça peut arriver de rester. Non. Pour sauter. Oh, j'ai enlevé mon seau. Cette salle. Non. Parfait. La boussole. Vous avez obtenu la boussole. Maintenant, vous pouvez voir où se cachent les coffres et le bus. Et si vous vous rapprochez d'une clé, un son vous préviendra. C'est ça le progrès. Ah, et là, on a un étage en dessous, je crois. Hein. Je reviens à la même place, alors on va peut-être passer par là. Oh, vous avez vu ce que j'ai vu? Il y a un autre. Là, on peut descendre ailleurs. Parce que vous avez vu la brume, ça fait comme une brume. Comment ramener une pierre ici? Là, je suis où? Là aussi. On peut pas mettre de marque. Non. Je suis complètement perdue. Tu m'excuseras. Pour atteindre le coffre, surélevé, il te faudra tomber de plus haut encore. Donc il y a des sous-sols. Je suis combien là? Je suis au rez-de-chaussée. Si je passe là, je suis au premier. Ok. Bon, on va commencer par le faire. Le rez-de-chaussée, voir si on a tout eu. Au rez-de-chaussée, on a été partout. On a eu le coffre. Il y a les deux coffres du côté, mais il faut monter d'un étage pour tomber dessus. Ça va être compliqué. Tomber où? Oh, il m'a repoussé dedans.
l'énigme sera résolue quand les quatre piliers se seront effondrés. Oh, il y en a quatre. Non, reviens là, s'il te plaît. D'accord, tu peux pas. Faut pas que je l'enlève, voilà, et ça, faut que je mette ça. Je sais plus. Non, c'est pas là. Je vais me faire piquer, moi. Nous sommes au premier. L'air d'en avoir d'autres. Je sais pas. Ah, c'est ok. Il y en a un là. Non, c'est pas ça. J'allais dire les carrés là, mais non, c'est pas les carrés là. 4 piliers, mais on se rend pas compte. J'aurais dû regarder sur le plan avant. Bloqué. Youpi. Comme ça, tu vas me donner. Ah, déjà, je peux récupérer le coffre là. Je sais pas comment j'ai fait, mais voilà. Vous avez obtenu le bouclier reflet. Vous pouvez à présent renvoyer les rayons. Combien ?
Promis. Vous avez obtenu une petite clé. Vous pouvez ouvrir une serrure verrouillée. Je ne peux pas passer. On va changer. Pour éviter d'utiliser quand même la poudre. Donc déjà, on a trouvé le côté droit. Il faudrait arriver à passer là. Toi.
pas eu. Comme par hasard, ça passe pas. Ça serait elle qui me descend. On va d'abord explorer par là. Déjà fait. Donc ça va pas servir à grand chose. Yeah.
au combien? Ah, on est au deuxième étage. On n'est jamais venu au deuxième étage. Il y a un coffre par là. Alors, petit, tu cherches la bagarre. Allez, les gars, débarrassez-moi de cet avorton. Attention, parce qu'il y aura au moins un seul de mes gars. Il pourra aller chercher les camarades pour poursuivre le combat. Alors, prépare-toi, mon petit. Sale type, tu as battu les gars, mes gars, tu me le payeras, ça, je te le garantis. D'accord, donc il faut se placer ici pour bien tous les avoir. Vous avez obtenu la clé du bus. Vous pouvez désormais ouvrir la porte de la salle du bus, d'accord? Oh, je pense qu'on aurait dû s'arrêter là en fait. Donc on va s'arrêter à la salle de la clé du bus. On reste caché ici. Ou on se laisse ici, voilà. Parce que ça fait facile 50, plus de 50 minutes qu'on joue. Et vu comment ça se déroule, il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à faire si on veut le faire à 100% à l'intérieur, je pense. Donc, je vous dis à très bientôt. Donc, la prochaine fois, on continuera le donjon. Parce que c'est un grand donjon. Je vous dis au revoir.